Jules César naît dans une famille de l'aristocratie romaine. Ses parents ne sont pas très riches et vivent dans une petite maison du quartier de Subur à Rome. Mais il raconte qu'il a des ancêtres illustres, des rois et même des dieux. Sa mère, Aurélia, donne à Jules et à ses sœurs une excellente éducation. Ce qui sera important pour César plus tard, car il pourra faire des discours formidables. César est devenu grand. Il a les cheveux et les yeux bruns, presque noirs. Il est coquet, se parfume d'huile rare et porte des vêtements à la mode. Il aime les belles femmes et apprécie la bonne nourriture. Il épouse, en 84 avant Jésus-Christ, Cornelia Cinna, la fille d'un homme politique. Ils auront une petite fille. Il adore les beaux objets et collectionne les vases, statues et tableaux dont il décore sa maison. Quelques années plus tard, César décide de se rendre dans l'île grecque de Rhodes, le plus grand centre universitaire de l'époque, pour y suivre des cours de rhétorique, c'est-à-dire d'expression orale. Alors qu'il est en mer, il est attaqué par des pirates et fait prisonnier. Il doit attendre 38 jours sur leur bateau avant d'être libéré, en échange d'une rançon. Une fois libre, il décide d'attaquer les pirates, qu'il arrête et fait condamner à mort. César est maintenant un général respecté. Après avoir remporté plusieurs victoires militaires dans la province romaine d'Espagne, César est de retour à Rome et s'allie à Pompée, le mari de sa fille Julia, et à Crassus, un très riche lieutenant. Ils forment un gouvernement à trois, un triumvirat, chargé de lutter contre le pouvoir des sénateurs très puissants à Rome. Les Romains espèrent qu'ils vont enfin établir la paix et sont plutôt contents. Cet accord entre les trois hommes est conclu pour 5 ans. L'ambitieux Jules César est nommé proconsul de la Narbonnaise, c'est-à-dire qu'il est chargé de diriger cette partie de l'Empire romain. Cette région au sud de la Gaule correspond au sud de la France actuelle. Elle est riche, bien desservie par des routes qui mènent vers l'Espagne et vers l'Italie. De nombreux Romains s'y sont installés pour essayer d'y faire fortune. César va y établir un camp de base pour ses armées, dans le but de conquérir le reste de la Gaule. César décide de mener la guerre contre les Gaulois, toutes sortes de peuples aux noms différents, les Helvètes en Suisse, les Vénètes en Bretagne, les Arvernes en Auvergne. Il se montre proche de ses soldats, les encourage et lorsqu'ils ont gagné, les récompense en leur distribuant une part du butin pris à l'ennemi. La victoire finale est la prise d'Alésia contre le chef gaulois Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. César, vainqueur de la Gaule, se prépare à rentrer en Italie. À Rome, le Sénat craint le retour de ce général riche et populaire et lui interdit de revenir. Le 11 janvier, il passe à l'action. Il franchit le Rubicon, un cours d'eau qui marque la frontière entre la Gaule et l'Italie, puis gagne Rome. Les sénateurs fuient. Le peuple lui donne les pleins pouvoirs. Il est maintenant le maître de l'Occident. Pompée, qui est maintenant l'adversaire de César, s'est réfugié en Orient. César est à ses trousses. Il s'affronte lors d'une grande bataille en Grèce, dans la plaine de Pharsale. Pompée est battu et s'enfuit en Égypte, où il est assassiné. César arrive à son tour à Alexandrie et tombe amoureux de la reine Cléopâtre. La pharaone fait découvrir son pays au général romain. César, accompagné de Cléopâtre, revient à Rome où règne un grand désordre. Le Sénat qui l'avait combattu l'appelle au pouvoir et le nomme dictateur. Il pardonne à ses adversaires, organise de grandes fêtes pour célébrer ses victoires militaires, les triomphes, et fait de Rome la plus belle capitale du monde en construisant un nouveau forum, un temple et une statue en or de sa nouvelle amoureuse, Cléopâtre. Jules César est le maître de Rome. Mais il fait les envieux parmi les sénateurs qui décident de s'en débarrasser. Ils organisent un complot. Cela se passera à la Curie, le lieu où se réunit le Sénat. César est là, dans sa toge brodée d'or. Soudain, les conjurés se jettent sur lui et le poignardent. Parmi ces assassins se trouve Brutus, l'un de ses fils adoptifs. Des funérailles officielles sont organisées, auxquelles participe le peuple romain qui le pleure. Quelques années plus tard, Octave, son autre fils adoptif,
devient empereur.